Et voici maintenant le dernier reportage de notre série dans le Zhejiang, focalisé sur l'économie océanique de l'île de Zhoushan. Zhoushan est la première zone à avoir développé la pêche hauturière en Chine. La ville dispose de 450 bateaux de pêche, soit 20% du nombre total du pays. La production des bateaux est un autre secteur clé de l'île. Le président chinois Xi Jinping a visité en mai dernier l'entreprise privée de construction de navires Changrong International, qui fabrique 13% des bateaux du pays. Je me trouve sur l'île de Zhoushan qui occupe une place stratégique. En effet, l'île se trouve dans le nord-est de la province du Zhejiang, elle est proche de Shanghai et elle donne sur la mer orientale de Chine. Ainsi, elle est la plus grande base chinoise de production, de transformation et de vente de produits de la mer. Suite à la stratégie nationale de l'économie océanique, une base pour la pêche hauturière a été mise en place en début d'année sur l'île de Zhoushan. Elle a pour mission de débarquer les cargos, de décharger les poissons pêchés en haute mer, de les conserver dans les chambres froides et d'offrir un marché en ligne destiné aux produits de la mer. On transfère les poissons des bateaux de pêche au cargo. Ces derniers se dirigent ensuite vers notre base pour le désembarquement. Il faut 40 à 50 jours. Les poissons dans les embarcations sont transférés dans des cargos de 5 000, 8 000 ou 10 000 tonnes. Dès que les cargos sont remplis, nous rentrons à la base. Après le déchargement, les cargos repartent. Les cargos vont et reviennent 2 ou 3 fois par an. La pêche s'effectue principalement dans les mers internationales, en Indonésie, en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine. Le calamar, le thon et le maquereau sont les 3 poissons principaux des hauturiers. En 2014, Zhoushan a pêché dans les mers libres 400 000 tonnes de calamar, soit 60% du volume total de la Chine. La base dispose de chambres froides qui peuvent contenir de 27 à 140 tonnes de poissons. Elle collabore avec les sections de recherche des universités pour renouveler les équipements de pêche et de finition et développer des machines pour remplacer l'homme. Nous avons pour objectif d'établir un port, une cité, une zone et un centre. Un port signifie un port d'attache pan-pacifique. Une cité veut dire une cité internationale des produits de la mer destinée au commerce des fruits de mer. Une zone signifie une zone de finition. Et un centre veut dire un centre de réparation des bateaux et un centre de technologie. Tout pour servir vraiment la pêche hauturière. L'entreprise privée de chantier naval Changrong International fabrique, répare et démantèle les navires. Elle a construit 2 bateaux de travaux de 30 000 tonnes pour Taïwan et 4 cargos de 60 000 tonnes pour Hong Kong depuis sa création en 2013. Il faut en général 12 à 14 mois pour la fabrication d'un tel bateau. Ses clients viennent d'Europe, des États-Unis, de Hong Kong et de Singapour. Changrong International est la plus grande entreprise en termes de démantèlement de navires. Elle peut réparer tous les bateaux de moins de 300 000 tonnes. La figure compétition réside à la valeur de la marque. Nous nous efforçons à forger notre marque Changrong International. Mais en même temps, nous nous focalisons à notre caractéristique, à notre produit phare, le navire porte-container. L'île de Zhoushan est la ville de départ de l'économie océanique chinoise. Avec la fin de la construction du pont qui permettra de franchir la mer en 2017, il faudra un peu plus de 2 heures pour aller de Shanghai à l'île de Zhoushan. Le port de Zhoushan deviendra ainsi la plateforme de logistique internationale de l'est de la Chine.